Welcome, Minister Charles Bastien, ministre responsable pour la paix avec l'agriculture. Ministre est accompagné par M. Roy Clary, Special Advisor of Fisheries. M. Vincent Lucas, CEO Seychelles Fishing Authority. And Mr. Jayaraz Chinasamy, Principal State Council, Attorney General's Chamber. Minister and your delegation, good morning and welcome to the National Assembly. Nous allons présenter la parole, ministre, pour présenter un statement. Et après, nous allons regarder si nous sommes capables de prendre des questions avant nos breaks, sinon nous allons retourner après-midi. Ministre, la parole est pour vous. Merci, Monsieur le Speaker. Monsieur le Speaker, tout le monde honorable et tout le monde qui l'écoute, bonjour. D'abord, Monsieur le Speaker, je tiens à vous dire merci pour demander sa permission pour délivrer ce statement sur l'accord de la paix entre l'Union européenne et CCL, ce qu'on appelle un Sustainable Fisheries Partnership Agreement ou bien SFPA, devant l'Assemblée nationale avant qu'ils considèrent la ratification de l'accord et son protocole l'implémentation. Activité la piston par une personne qui commençait en 1984. Le premier accord de la paix qui commençait en 1990 avec European Economic Community, pareil, il s'appelait ça le temps. En fait, ça l'accord de la paix est en deux parties. Premièrement, y compris l'accord de la paix lui-même, qui établit cadre légal qui gouverne bon principe et régulation pour que bon bateau l'Union européenne est capable de la piston et l'espèce pariton dans l'OCCL. Deuxièmement, y compris un protocole d'implémentation qui forme partie intégrale de l'accord, qui établit bonnes conditions telles que la quantité de bateau qui est capable de la piston, qui qualité de bateau qui est capable de servir pour la piste, l'argent qui est payé par l'Union européenne en bas de l'accord, et aussi les autres l'argent qui est payé par bonne propriétaire ou l'opérateur de bateau, c'est-à-dire bonne bateau ton qui flotte pavillon l'Union européenne, et aussi les autres mesures de contrôle, surveillance et bonne l'obligation qu'ils ont en an pour rapporter que l'autorité CCL laisse avant de bâtir la piste de l'eau CCL en 2019. Tous les documents qui ont été adoptés par le Conseil européen le 20 février 2020 et ensuite ont été signés en Bruxelles le 24 février par l'Union européenne et CCL. Suivant dernière négociation, il est bon noté que tous les documents, c'est-à-dire l'agrément et le protocole, qui pour une période de 6 ans, puis à présent, mars ensemble. Procédure pour négociation et retard. Comité conjoint, ce qu'on appelle Joint Committee, qui a créé en bas l'accord la paix entre CCL et l'Union européenne, qui joint dans son session annuelle, le 27 février jusqu'à le 1er mars 2019, Bruxelles. Et les autres agendas, qui aussi inclut préparation, négociation pour renouveler l'agrément et nouveau protocole en bas qui bat tout en ligne européenne et la paix de l'OCCL. Commission européenne qui est responsable pour négocier l'agrément la paix et son protocole tient forme CCL de son procédure administrative et procès légal qui ça l'accord et protocole il besoin passe à travers le conseil l'Union européenne pour demander mandat pour négocier avec CCL. Nous besoin d'espérer pour un consultant indépendant qui ont été appointé pour évaluer l'accord actuel et donner son recommandation pour un nouveau accord si commencé vers le deuxième cadre. J'espère l'élection faire avant. Et après, demande mandat pour négocier avec CCL avec le nouveau Parlement qui gagne l'élection européenne qui forme session avec CCL. Monsieur le Speaker, premier tour, après, tu verbalement informe CCL qui ont pour faire mieux de l'autre côté. Pour gagner l'approbation du Conseil européen pour 6 protocoles d'implémentation avant qu'il s'en le 17 janvier 2020, il termine. Pour qu'il vienne en force provisoirement, pareil, il fait provision de l'accord avant qu'il finalement gagne ratifié par CCL et l'Union européenne, vu qu'il procède à ratification, et spécialement le côté de l'Union européenne, il y a un très grand procédure. Le 16 janvier 2020, des rencontres extraordinaires, comité conjoint qui t'y fait Mayotte, Commission européenne, t'y forme CCL, qui procédit légal le nouveau agrément la paix sur son protocole
il est stase bien avancé et signati expecté faire la fin février après l'adoption par Conseil européen qui tient gagné prévoir pour le 17 février 2020. Le 4 février, la Commission a envoyé copie l'agrément avec protocole qui est une dernière révision qui est capable de faire dans le Conseil le 20 février 2020. Sa date tirée est confirmée par la Commission européenne le 17 février, que cette forme c'est celle qui, après l'adoption, le Conseil européen pour établir une date avec l'autorité CCL plus vite possible pour signer. Par les autres courants, envie qui vient l'accord qui termine le 17 janvier. Nouveau élément dans l'accord la paix. Monsieur Speaker, depuis sa dernière accord la paix, il négocié, il y a un nouveau développement dans la loi la paix CCL. Par exemple, l'aménagement de la paix régionale, tel que le niveau Commission de l'océan Indien, IOTC, et international, tel que l'agrément de l'Organisation mondiale pour manger FAO, le mesi portière pour combattre la paix illégale, qui c'est celle qui ratifie en 2014. Ce qu'on appelle FAO Port State Measures to Deter, Prevent and Combat Illegal, Unreported and Unregulated IUU Fishing. Bon principe, bonne gouvernance qui concerne la paix et soutenabilité, et aussi la practicalité du terrain aujourd'hui qui est différent avec le passé. Alors, nous faisons ici un nouveau accord et prend en compte tout sa bonne élément. La paix soutenable. Premièrement, la paix soutenable de l'OCCL est un principe important qui nous fait entrer en bas un nouveau agrément. Il a aussi couvert la transparence en ce qui concerne l'activité bateau ligne européen et les autres bateaux qui CCL donnent l'autorisation pour la paix dans nos délais. Et assurer que tous les départis respectent les bonnes mesures de conservation et l'aménagement qui ont été déterminés et adoptés au niveau IOTC. Le côté coopération scientifique, il y a un renforcement entre les départis et plus bonne coopération économique dans la paix industrielle et en relation avec bonne activité qui contribue envers l'économie blé. Provision, il y a aussi gagné mété pour promouvoir débarquement poisson qui gagne la paix, qui inclut ton et son bycatch par bateau l'Union européen pour bonne usine CCL, tel que IoT et bonne processeurs locales qui peut processer bycatch et les autres usines dans l'avenir. Ça y fait que nous bonne usine locale inclut développement CCCS, c'est-à-dire Central Common Cold Storage, a capable de garantir ton sorti de bon bateau l'Union européen pour autres l'opération valeur ajoutée qui gagne fait CCL. Sa provision donne nous sa possibilité pour aller directement envers la Commission européenne si nous sentons qu'ils sont bons bateaux pour coopérer pour fournir ton localement. En ce qui concerne l'aménagement, contrôle et mesures de surveillance bon bateau l'Union européenne, provision gagne fait pour qu'il y en ait l'inspection conjointe entre l'inspecteur la paix. Entre l'inspecteur de la paix CCLOA et l'inspecteur de la paix ligne européenne, les autres bateaux, pour qu'ils mesurent appropriées et qu'ils prennent côté de vrai pour assurer que ça l'agrément et son protocole peuvent bien implémenter. Ça y aussi aider à développer compétences de nos inspecteurs locaux pour arriver au niveau international. En plus de ça, l'autorité de la paix SFE est capable de plier à jour avec l'information, l'activité bateau ligne européenne. Les autres de l'OCCL et supplémentent le système VMS à bord et aussi bon l'observateur. Ça, l'accord, il fait provision pour que les bateaux l'Union européenne et rapportent les autres poissons qui ne la pissent d'une façon plus transparente et régulière par méthode électronique, Electronic Reporting System, ERS. Sa méthode pour faire SFE vient plier à jour la quantité de poissons qui gagne la pisse par sa bonne bateau ton en relation avec d'autres positions, les autres de l'OCCL. Ça, pour complémenter l'information et rapport qui bon observateur qui a bord y fait. Sa rapport électronique est tous les 24 heures de temps. Ils sont obligés d'envoyer l'autorité de la pisse, soit espagnol, français ou bien italien, même rapport qui est fait. Le côté de l'observateur, pour complémenter ça, l'agrément y aussi fait provision pour renforcer statut et rôle de l'observateur CCLOA, les autres le bateaux de l'Union européenne. Ça y gagne fait pour que le rôle et l'obligation de l'observateur, les autres à bord bateau, y gagne bien défini, inclut ça qui pour capitaine bateau, et pour faire si
qui n'a pas aucune interférence avec le travail de l'observateur, les autres à bord. L'observateur pourrait traiter le même niveau qu'un officier, les autres à bord. Pendant les négociations, le plus contrôle qui se sait, il y en a l'intention de mettre le tout bateau, ton qui la piste de l'OCCL, l'Union européenne gagne formé qui bientôt nous peut établir régulation pour qu'il bande bateau, avec les bande bateau l'Union européenne, pour besoin en caméra surveillance à bord. Ça, pour record toutes autres activités de la piste, les autres de l'OCCL, avec bi et des renforcés contrôles et les formations de la quantité et qualité poisson et pratique qui s'abonne bateau et pratique s'abonne bateau le lendemain. En même temps, ça pour aider CCL plus bien établi et avec plus certitude que l'évidence de la quantité de temps qui s'abonne bateau il a pêché dans nos délots. Il y en a plusieurs concernent le FAD ou bien RADO dans nos délots et aussi son impact. Il a pêché, c'est-à-dire sa pratique qui vient faire à travers FAD, son impact sur l'environnement et sur l'écosystème. L'année passée, dans une rencontre commission IOTC, c'est celle qui a mené une proposition pour en plus contrôle le déploiement, marquage et l'aménagement FAD dans l'océan Indien. Ça a été approuvé et vient une résolution mandatoire d'IOTC. En base à l'agrément, FAD qui pourrait servir par bon bateau dans nos délots pour besoin de faire avec bon matériaux qui sont biodégradables. L'infad, il finit son temps quand il n'est plus en service. Son propriétaire, pour besoin, prend responsabilité pour Masli et Chili dans nos mer. Gouvernement, pour bientôt faire régulation, pour faire si, qui ça, il gagne respecté et bon penalty approprié pour gagner mettre. Parmi, bonne mesure qui pourrait considérer c'est qui tout fad pour besoin gagne faire l'eau la terre tout morceau est fad pour besoin gagne marqué avec code unique sac bateau et façon laisse à fad il gagne abandonner l'eau la mer et à rendre l'appel le nous corail ou bien lance nous pour connait lesquels sont propriétaires. Monsieur Speaker, pour première fois dans l'histoire de l'agrément de la paix, ce qui est l'Union européenne, il y en a et quel autre pays, c'est celle qui introduit un fonds qui pour dédier à la gestion de l'environnement et l'observation de l'écosystème. L'argent de ce fonds pour sortir de la propriétaire bateau dans l'Union européenne. Nous pour payer $2.25 par tonnage brut sac bateau pour un total de 175 000 euros par an. Ça y en plus avec ça qu'ils ont besoin de payer pour les autres free license et ils ont besoin de faire ça paiement tous les ans en même temps qu'ils ont fait paiement les autres license la piste. Gouvernement il finit de recevoir l'argent pour ça l'en est et pour bientôt donner plus de détails le qui manière ça l'argent pour gérer. En bas à l'accord nous peut aussi assurer qui nous peut protéger la piste artisanale et aussi ses mains industrielles. Il y a aussi une provision de ça l'accord la piste qui fait si qui activité bateau dans l'Union européenne pas été fait ou bien affecté la piste nos bonnes pistes locales. En ce qui concerne l'emploi marin CCLOA, le bateau l'Union européenne, désormais c'est l'autorité de la piste CCL, SFE, qui prend la responsabilité pour contacter Marin CCLOA et place autres le bon bateau l'Union européenne, les bateaux pour la piste de l'OCCL. SFE prend un dimoun qui peut dédier spécialement pour maintenir la liste Marin CCLOA qui est qualifiée pour embarquer le bateau l'Union européenne et autres placements pour autres les yon an. Bateau bon amateur bateau, il y en a l'exigence pour barque au moins deux marins CCLOA par marée. Si vous n'êtes pas en barque marins CCLOA, il y en a qui qualifié et paré pour embarquer. Ça bon amateur bateau pour besoin payer 35 euros par jour par marins CCLOA qui n'a pas à bord pour chaque jour que sa bateau est dans de l'eau CCL. Ça y a l'augmentation
sorti 20 euros par jour comparé avec vie l'accord la paix. Le côté ban marin qui embarqué, zot salaire de base avant que aucun bonus, il gagne inclus pour conformité soit avec la loi l'emploi CCL ou bien la loi ILO. Salaire de base pour baser le ça. Salaire de base pour baser le ça qui plie au entre ça dé. Ça qui nous aussi. Ça qui est aussi nouveau, le sixième marin, c'est que tous les autres bénéfices qu'ils ont gagnés, pas pour capable plus bas, qui paiement ban bénéfices ban marin les autres pays membres, l'Afrique, Caraïbes et Pacifique, c'est-à-dire ACP qui peut faire même travail. Monsieur Speaker, le sixième ban marin si c'est loi, moi je suis content de faire ça ban l'annonce suivant. Premièrement, gouvernement respecté dans sa prochaine semaine, fini faire réconciliation avec l'Union européenne, le cisé l'ajustement salaire pour sa dernier protocole, qui tilé 18 janvier 2014 jusqu'à le 17 janvier 2020. Nous respecté qui de suite après l'Union européenne pour faire paiement nécessaire avec l'autorité CCL. Les moments nous recevoir sa paiement, nous pour payer ban marin immédiatement. Par contre, si paiement pas fait la fin 2020, c'est-à-dire pour sa protocole 2014 à 2020 par l'Union européenne, gouvernement à travers SFE pour faire sa paiement et après espère remboursement sorti de l'Union européenne. Deuxièmement, les moments nous finalise réconciliation entre 2005 et 2014, paiement a gagné fait au fil à mesure que l'Union européenne y fait paiement. Troisièmement, Paris m'ont déjà dit l'agrément avec l'Union européenne en ce qui concerne salaire minimum qui prend l'effet en 2005. Ça y fait qui bon marin qui travaille ou sa bon bateau tant ti désavantagé. Pendant la rencontre Conseil ministre le 11 mars à l'année, le gouvernement a pris une décision pour que tout marin qui travaille au bon bateau ton, c'est-à-dire bon personnel, avant 2005, pour gagner l'ajustement des autres salaires, l'ajustement pour en ligne avec salaire minimum gouvernement de sa bonne l'année applicable. Une somme 10 millions de roupies pour gagner mettre de côté par SFE. Mon ministère pour donner plus de détails semaine prochaine l'osacisé formation nous banzen y a aussi une provision pour encourager développement ressources humaines et capacité l'institutionnel de la paix avec bi améliore skill nous banzen à travers formation pour qu'ils soient capables contribuer d'activité la paix soutenable dans ces celles et développement l'économie blé nous pays. Pour ça, l'Espagne et la France ont agréé pour chacun donne de la bourse pour des étudiants cécélois par an pour suivre formation de bonne université espagnole et française. Nous en contact avec ça de l'administration pour que sa premier des étudiants soit capable de faire l'initiative pour commencer l'étude plus vite possible. L'opportunité la paix. Duration l'agrément la paix et son protocole y restait 6 ans pareil qu'il est cas auparavant. L'opportunité de la paix y restait ouvert pour 40 personnes même si historiquement il en a seulement 27 qui ne prend licence et l'année passée il y en a 26. Concernant bon bateau support, ça qu'on appelle support vessels, la quantité pour en ligne avec ce qui IOTC y permet. Ça l'en est jusqu'à la fin 2022, il y en a deux bateaux support pour 5 bateaux par semaine. Ça y fait qu'avec 26 bateaux ton, nous pas respecter plus que 10 bateaux support. En ce qui concerne bon palanglier, ça qui nous appelle la piste long line, l'in augmenté sorti 6 pour 28.
le côté référence tonnage, le qui l'Union européenne, il paye droit accès pour un bateau qui flotte son pavillon, ça il restait le 50 000 tonnes. À la fin, ça l'année protocole, si la quantité tonnes qui tout bateau l'Union européenne ensemble in la pièce, il dépasse sa 50 000 tonnes, l'Union européenne pour payer ses 80 euros pour chaque tonne en plus pour sa déprimer l'année sa protocole et 85 euros par tonne pendant sa la restant 4 ans. Contribution financière pour support policy et développement secteur la paix ici CCL, il a aussi augmenté, sorti 2,5 millions d'euros par an pour 2,8 millions d'euros par an. Concernant d'avance le license qui propriétaire bateau pour payer, ça a augmenté, sorti 52 500 euros par an pour 56 000 euros par an, qui équivalent 80 euros par tonne pour sa première 700 tonnes qui chaque bateau y a attrapé pour sa déprimer dans sa protocole et 59 500 euros par an pour la restant l'année et à une somme 85 euros par tonne. À la fin de la licence, chaque propriétaire bateau pour payer encore 80 euros pour chaque tonne en plus qu'ils ont la pièce pendant sa déprimer l'année et 85 euros par tonne pour la restant période sa protocole. Monsieur Speaker, en tout, 402 000 tonnes ont été attrapées dans le sud-ouest de l'océan Indien l'année passée par une personne. 20% là-dedans, c'est-à-dire environ 80 000 tonnes, ont été la piste de l'océan. 360 000 tonnes ont été transportées de port CCL, qui fait que port Victoria est resté port plus important pour sa industrie dans la région. Nous avons au moins 800 stevedores qui dépendent de l'Osaban bateau. Plusieurs la compagnie Ship Channeling et bénéficient avec Saban bateau. Zis l'année passée, CEPEC qui vend 1,5 billion roupies carburant avec une personneuse. L'autorité port y bénéficie en moyenne 40 millions roupies avec autres par an. Pays y bénéficie avec coût d'importation et fréquence bateau cargo en résultat activité directe sa bonne personneuse et aussi activité IoT. Il y en a encore beaucoup les autres bénéfices directs et indirects qui nous payent et gagnent. Quand même, nous réduisons l'endroit que la piste est capable de gagner faire pour raison de conservation et avec l'exigence vis-à-vis IOTC, coton, yellowfin et concernés, nous sommes capables de gagner l'augmentation 15% de contribution financière EU comparé avec ça et l'agrément qui fait terminer. Ça l'agrément, il vaut 58,2 millions d'euros, qui équivalent 1,16 billion roupies pour sa prochaine 6 ans. IN qui est très important pour CCL et il plus gros l'agrément la paix qui nous paye une des agrément. Merci monsieur Speaker. Merci ministre Bastien. Bon, on va prendre une petite question. C'est un membre qui avait posé une question au statement que le ministre a délivré avec l'Assemblée. Il y a son honorable Gervais Henry. Merci, M. Speaker. Encore une fois, bonjour tout le monde. Mon première question, mon chacontant qui ministre, il redonne nous un peu de chiffres qui nous mentionnent pour nous capables d'établir vraie valeur sa l'industrie pour payer. Mon connu ne passe un peu de sa bonne chiffre, mais mon intéressé qu'on est son real value of tuna industry pour CCL. Deuxièmement, ministre termine son déclaration disant qu'il y a une bonne plus gros valeur en termes l'agrément qui nous fait avec l'Union européenne. Somme envie ou dis-nous, de l'opinion, franchement, sur quoi, this is the best deal qui nous est capable de gagner. Et
aussi ministre une cause l'eau une série mesures qui peut prendre vis-à-vis ben marin là ben ça ben réajustement salaire minimum et une mention ainsi 10 millions qui pour grand budget pour SFE pour capable faire ça ben paiement moi je pas content clarifier pour nous exactement il quoi ça et à cause qui ça mesi puis entrer dans ce moment là qui nous peut causer là soyez dans ça trois points qui m'ont levé merci beaucoup monsieur speaker merci honorable ministre monsieur speaker concernant Bansif, hein? Par exemple, dit c'est qui en bas à l'agrément. OK. On a d'autres papiers là, on lit ça en détail. Non, c'est pour ça. Oui, monsieur speaker, une petite excuse, hein, un petit peu de mon figures. Access fee qui l'Union européenne paye nous la base annuelle, il 2,5 millions d'euros. OK? Présent, sectoral support, ça qui nous a aussi donné pour aller pour le support, nous les distribuer la piste localement, ça, il 2,8 millions d'euros par an. OK? Ça est le côté EU. Présent, bon amateur bateau, c'est-à-dire bon bateau qui dans l'Union européenne, qui prend license pour la piste dans nos délais, ils aussi ont fait paiement. OK? Et les autres paiements, ils basent leur référence tonnage 700 tonnes pour commencer. 700 tonnes. So, pour ça, 700 tonnes, nous sommes d'accord qu'il peut primer 10 ans. Les autres pays, nous, 80 euros par tonne. C'est-à-dire, ils viennent 56 000 euros par bateau. Ça pour le premier 10 ans. Et après ça, le premier 10 ans, commencement 3e l'année, est-ce que 6e l'année, les autres pour payer nous 85 euros par tonne. Ça pour faire nous ça 59 500 euros. OK? Ça est bon amateur bateau, les autres côtés qui sont les autres pays. Présent, les. Zota, évidemment, zota la pèse, zot référence à banamate bateau, basé sur 700 tonnes. Seulement, nous l'agrément, il a une référence 50 000 tonnes. OK? So, si nous avons 26 bateaux, 26 fois 700, comment est venu? Nous avons 26 bateaux, OK? Qui peut la pèse, ça qui la pèse 700 tonnes, ça est pour faire 18 200 tonnes qui sont pour la pèse. OK? Si à la fin elle en est, zot la pisse 50 000 tonnes, then zot pour besoin paye nous 50 000 minus 18 200. Comment donne nous? Non, non, mal calculé. Il donne nous environ 38 000 tonnes. Non, 32 000 tonnes environ. Sur so, sa 32 000 tonnes, vous avez besoin de payer nous sa 80 dollars. C'est même ça qui nous appelle un excess catch. Over and above ça. Par exemple, pour l'année passée, nous avons nous référence ton de 50 000 tonnes, mais nous avons la pèse un petit peu plus que 53 000 tonnes. Et en plus que ça qui m'a annoncé, m'a dit là bon matin, il a besoin de payer nous un somme de points. Presque 2,5 millions d'euros en plus encore. Ça pour un excess catch. OK? On peut expliquer comme ça, qu'il y a une façon de comprendre tout ce paiement qui nous peut gagner en bas ça avec EU, qui par exemple dit c'est qui est équivalent 9,7 millions d'euros par an. OK? Bon, ça le côté l'argent. Mon quoi nous clair là, honorable, monsieur speaker? OK? Concernant la deuxième question. Oui.
Question c'est qui est-ce qui nous gagne the best deal? Moi quoi, Monsieur Speaker, ça y est question que moi quoi qui tous ces lois aussi demandé et nous nous faisons rien, nous n'avons the best deal pour ces celles. Tout en prenant compte pour dire ça, il y a l'agrément, il y a un partenariat qui nous a avec l'Union européenne. Là nous commençons nos négociations avec EU. EU les autres ont gagné notre rapport aux autres consultants, aux autres aussi les autres côtés ont fait notre bon assessment. Nous avons dit comme quoi qui nous les une réduction de tonnage, de référence tonnage, pas 10%, qui veut dire tout nos bonnes contributions financières que nous pouvons gagner, tu pourrais réduire pas 10%. C'est-à-dire au lieu de 50 000 tonnes, tu pouvais une 45 000 tonnes. Équivalent, nous pouvons access fee réduit par 10%, sectoral support aussi tu pourrais réduire par 10%. Mais nous, à travers le travail qui nous fait bien avant nous dans la négociation, nous faisons tous nos bonnes analyses et nous nous croyons pour dire qu'il y a besoin maintenant au moins 50 000 tonnes, sinon un peu plus que 50 000 tonnes, disons quand même 55 000 mais 60 000 tonnes pour nous augmenter nos access fee et peut-être augmenter nos sectoral support de façon relative. Mais, par exemple, on est négociation et des côtés. Et nous, nous n'avons à travers nos bonnes négociations, au lieu de sortir avec un minus 10%, nous sortons avec un plus 15%, 15%. Mais malgré ça, nous ne sommes pas capables d'isguer, salazan, piment, tout seul. Par exemple, je fais de mon conclusion, M. Speaker, je dis comme quoi qui là, nous faisons l'analyse, nous avons besoin de tout ça dans les autres retombées qui en ont. Nous ne pouvons pas seulement 10 à poisson, mais nous regardons qui manque les autres secteurs bénéficiés par ICPEC, on dit 1,5 billion roupies, on dit l'autorité port avec mon porte-fils qui a amassé au moins 40 millions roupies par an. Nous voyons tout dans les autres stevedores, ship channeling et les autres encore qui bénéficient. So, prenons compte aussi, Monsieur le Speaker, avec l'exigence IOTC vis-à-vis côté Yellowfin concerné, ça aussi envie qu'il y ait un système quota côté restreint un peu la pêche. Mon quoi qui ça couple avec les faits qu'il y en a MSP Marine Special Plan, côté il y en a une réduction de l'opportunité de la pêche à cause d'un plusieurs ben no-tech zones qui ont été créées. Et mon quoi qui pour sortir avec un positif 15%, mon quoi c'est un very good deal qui nous capable d'achever. Monsieur Speaker, le côté marin pêcheur, mon quoi qui mon vient de salle assemblée un ou deux fois à propos s'assiser et même mon zone avec avec AIC, comité AIC, côté ça est sur marin pêcheur une montée et aussi moi tu fais un meeting qui on aura fait aussi tu viens de sa meeting que nous fait côté SFE avec plusieurs bonnes marins pêcheurs côté nous tu fais sorti plusieurs cisés en ce qui concerne toute bonne bénéfice et que nous ne voyons nous c'est qui les au niveau ministère nous découvert comme quoi tenant ça ça irregularity en termes salaire qu'ils ont devait payer gagner depuis protocole 2005 en montant les nous dit comme quoi qui salaire minimum pas devait plus bas qui ILO qui salaire en 2005 c'est $543 nous tu peux voir pour dire salaire de base qui nous bonne marin pêcheur tu peux gagner tu 1828 ou même 1900 et quelques roupies comme un basic salary. À cause, c'est à cause d'un manque d'interprétation, un manquement de l'interprétation, les divines de son application protocole. Et nous nous découvrons ça, nous, ministère, l'État nous peut revoir, suivant discussion que nous avons avec un marin pêcheur, qui a même son P-slip, et là, nous voyons pour dire il y en a quelque chose qui n'est pas bien. Ensemble avec mon conseiller, M. Clarisse, nous assisons, nous regardons le protocole, nous voyons pour dire qu'il y en a ce manquement. Et voilà que nous voyons, et c'est ça que nous avons annoncé là, qui nous. Il y a eu le commencement, mon profond avec les autres, c'est qu'il n'y a pas de l'accepter, il y a un manquement. Le côté protocole, ils ont dit, ça n'a aucun assistement, on a fait un nouveau protocole, qui nous dit non. Nous insistons avec les autres, qui devaient prendre les faits,
depuis l'ère de protocole en 2005, qui mettait comme quoi minimum salaire devait être basé sur l'ILO. OK? So, voilà, en 2005, il devait être dans sa application basic salaire ILO. Il n'y a pas de faire. C'est ça qui nous peut faire une réconciliation, négociation. OK? Bon, à cause avant 2005. Avant 2005, vous avez aussi des avantages. Mais malheureusement, tu n'as pas de protocole qui te régule ça, ça l'étend. OK? Et même maintenant, qui nous avons fait nos investigations, nous voyons qu'il y a un petit salaire minimum qui nous a été gagné dans le bateau de temps, et moins que le salaire minimum qui nous a été gagné ici à terre, qui soit dans le gouvernement ou quoi. Ce présent qui nous dit, pour les banques qui 2005, qui nous aussi gagné des avantages, pour m'en répondre aux questions directement, nous dit, nous avons aussi besoin de faire l'ajustement. If we are making an adjustment pour 2005 en montant, I think we owe it avec sa bonne semaine qui travaille 10 l'eau la mer pendant tout sa bonne l'année pour faire l'ajustement pour nous aussi. Et voilà, pour nous capables de faire l'ajustement, nous avons besoin de base. En vie qui en bas protocole, il dit où, the higher of the two, nous nous soit à yellow ou bien salaire. C'est celle dans sa cas, dès nous nous parlons pour un minimum salaire, c'est celle vie qui a yellow, pas applicable, ça l'étant, pour nous faire ça ajustement pour ban di moun, ban marin pêcheur, par il nous dit, qui nous le bateau avant 2005. Mon quoi, mon clair, c'est mon décor. Merci, monsieur Speaker. Merci, ministre. Honorable Henri. Merci, Mr. Speaker. Merci pour la réponse, ministre. Mais juste pour mon première question, mon quoi, ou pour comprendre moi bien. Si vous m'avez dit que vous avez dit que vous avez retombé, sur les cause qui porte l'autorité de gagner, qui s'épec, ça veut dire que l'évaluation que le gouvernement fait, disons par exemple l'année passée, what is the total cost of this industry pour nous capables d'apprécier son importance dans nous, l'économie, ici c'est celle. Merci. Merci, honorable. Ministre. Monsieur le Speaker, c'est ça même ça qui m'a dit pour dire. Travail presque terminé, ou ça qu'on appelle un satellite account pour fisheries. OK, mon connaît pour dire de GDP comme la paix rapporte 3%, comme quoi qui secteur la paix, qui nous connaît est beaucoup plus que 3%. C'est pour sa raison, ensemble avec Bureau of Statistics, NBS, la Banque Centrale, il y a un travail pour finaliser le satellite account pour fisheries concerné pour qu'il nous capable gagner de real contribution of fisheries pour sa secteur. Non, je suis dans l'indicatif, mais mon papa a pour me donner publiquement pour raison c'est à cause du travail pour qu'on finisse là 100%, qui est beaucoup plus que 3%, mon capable de dire. Merci, M. Speaker. Merci, ministre. Honorable John Wawo. Merci, M. Speaker. Bonjour, M. Speaker. Bonjour, ministre et l'équipe. Bonjour, tout le monde à l'écoute. Mon question, M. Speaker, je suis content qu'on ait, si le ministre est capable de nous, quelle quantité de bateaux qui peut faire la paix industrielle ton dans la mer Cécile, inclut EU, ben les autres ports, State Flag, Bearers, ben partnership avec Maurice et les autres. Deuxièmement, mon chava, quand on connaît, si sa quota à l'autre zone est aussi applicable pour ben les autres bateaux qui la paix dans l'eau Cécile. Et troisièmement, est-ce que. Honorable, question est centrée l'agrément entre EU avec Cécile. All right, OK. Est-ce que le ministre est capable de dire nous combien est-ce que le ministre est capable de dire nous combien de monde qui forment partie sa joint committee et lesquels autres si c'est ces lois côté ces lois il y en a là côté européen il y en a là et lesquels qui tient sa comité. Merci. Merci, honorable ministre. Monsieur le Speaker, concernant le Joint Committee, ça a eu une provision par l'agrément. Quand nous avons affiché ces lois qui allaient discuter un peu plus de détails qu'on a pour faire avec l'implémentation, par exemple, son BIDZE Sectoral Support, qu'on peut soumettre avec le subcommittee pour gagner approval, évidemment, après approbation du gouvernement, qui nous ont allé discuter. Et quand il y a un chair, qu'est-ce qu'il peut faire? S'il peut faire CCL, c'est celle qui chair. S'il peut faire. Côté EU, then EU qui chair. So, il gagne ça. Et normalement, le nou comité, pour bon l'État qui m'a dit, nous avons un comité, c'est celui qui est représenté par M. Clarisse lui-même, ensemble avec un officier SFA
et aussi un autre technicien sorti d'un ministère. Et le côté IO aussi, ils ont venu avec deux ou trois officiers pour discuter un peu l'aspect technique, l'implémentation protocole. OK? Quantité personnelle, monsieur Speaker Kinwana, par exemple, il y a 26 IO, il y a 3 Maurice, il y en a 2 Corée, après, il y en a 13 qui peuvent porter le pavillon CCL. OK? Ça, le côté personnelle. Le côté Yellowfin, je crois que nous avons fait quota. Iyuli, son quota Yellowfin, il pouli. Son quota Yellowfin, si je ne me trompe pas, il y a 77 000 tonnes pour Yellowfin. Nous, CCL, nous, pour nos bateaux CCL, c'est-à-dire pour ça 13 bateaux qui portent pavillon CCL, nous avons 33 000 tonnes Yellowfin. Merci, M. le Speaker. Merci, ministre. Honorable Nolin Soufola. Merci, M. le Speaker. Bonjour, ministre et l'équipe. Ministre, ma question vise encore vers le salaire des marins pêcheurs. On dit qu'ils ont une reconnaissance, qu'ils sont marins peut-être mal gagnés payés. Et tiennent en faute des autres l'argent. Alors, moi, je connais. Ministre, qui s'abonne marin, il faudrait faire pour assurer qu'ils tombent dans sa groupe qui a gagné kit derrière pendant qu'il a l'espé gagné préparé. Et deuxièmement, pour bonne famille, qui s'abonne marin in mort. Est-ce qu'il y a une provision qui peut gagner faire pour autres? Est-ce qu'ils sont capables de réclamer ça l'argent? Et qui procède qui s'abonne famille pour besoin faire? Merci, M. le Speaker. Merci, honorable ministre. Monsieur le Speaker, mon avoid pour m'appeler, comme quoi je suis mal gagné payé, mon disant que j'ai une faute dans l'interprétation. Monsieur le Speaker, ce qu'ils ont besoin de faire, c'est que depuis l'année passée, nous avons commencé à travailler, que nous invitons les marins pêcheurs à travers l'annonce qu'ils nous ont envoyée. Pour nous, nous avons un côté SFI, nous avons l'office qui a gagné setup. Nous avons venu, nous avons amené d'autres livres, d'autres cartes. Ils ont besoin de documents nécessaires pour qu'ils aient une donne. Nous avons besoin de copies nécessaires pour réconcilier avec Ricord qui s'est fait déjà un an. Et même un an, M. le Speaker, qui n'est plus avec nous, qui est une famille, il a même besoin de documents nécessaires. Mais toutefois, s'il y en a, peut-être qu'il y a déjà un travail de personnes, de marins pêcheurs qui ne viennent pas devant, ils sont encore still capables de côté SFA pour qu'ils aient besoin de documents nécessaires. Merci, M. le Speaker. Merci, ministre. Honorable Ahmed Afif. Merci, Monsieur le Speaker. Monsieur le Speaker, on écoute Ban Sif qui ministre donne un beau matin 58,2 millions d'euros, qui est équivalent qui l'Union européenne pour payer nous pendant 6 ans. Ça vient 9,7 millions d'euros par an, basé sur 50 000 tonnes. Et si vous faites 1 euro équivalent 21 ou puis 50, à peu près, pour 50 millions de kilos de poisson, ton, vous pouvez gagner environ 4 ou puis 17 par kilo, ton, qui se sel puis amassé dans 3 morceaux, un dans... ça qui Zozo t'appelle Financial Contribution EU. Et dans sa 4 roupies 17, 1 roupie 8, il y a le pour Financial Access. Après, il y en a 1 roupie 20, il y a le pour Sectoral Support. Et ensuite, Batoli. Propriétaire Batoli, il paye 1 roupie 89. En tout, 4 roupies 17. Qui nous gagne, pour un dimon, l'Union européenne vient dans nous de l'eau et la pêche nous poisson. 4 ou 17 par kilo. Ton. Bien sûr, si la pêche plus, nous gagnons un petit gain plus. Présent, mon temps, le ministre explique nous. L'équipe base, nous avons trouvé que 4 ou 17 est un prix normal pour nous. Ton. En vie qui, l'air li sa bateau, il vend ça même temps qui d'après IOTC mon gétin l'étude qui fait en 2019 par Mac Fadien GN Defo
scoping study of socioeconomic data and indicators for IOTC fisheries. Satigan est produit par Poseidon Aquatic Resources Management, un rapport IOTC. Je dis pour dire 1 kilo ton bateau gagne 3 euros. 3 euros, il vient à peu près, pour aujourd'hui, 64 euros plus 50. Alors, mon question. Si bateau vient chez nous, il prend un ton. Il y a la vie qui gagne 64 roupies. L'oki base nous nous trouvons raisonnable, normal, un prix arm's length, qui nous nous trouvons normal pour nous vendre ça à temps qui sorti dans nous de l'eau pour 4 roupies 17. Je suis content de comprendre ça parce que je trouve, il n'y a rien de mon entre dans mon propriété. Quand mon piment, mon légume, présent mon dili, beau cab, pas mon casse mon mang, à l'avec. Ils vont pas connaître qui pour y mang, si tu peux vendre 10 soupies, tu peux le vendre un mang. Présent, il a dit, moi, il y a de moi 50 sous. Pour dili, non. Mon quoi, mon devait gagner plus. Pareillement, 4 soupies 17, on trouve l'idole par rapport avec 64 soupies 50. Mais seulement, ministre, mon question c'est, même dans sa 4 roupies 17, nous pas gagnons tout ça là. À cause d'un bout, un roupies 20, qu'ils ont gardé, ils ont pour servir comme un sectoral support basé sur ce qui joint committee, ils tombent d'accord là. Ça veut dire pas entrer dans le revenu gouvernement. Li. En effet, si vous avez budget 2020, pas entrer là. À cause ça, il y a un compte séparé. Alors, vraiment, nous gagnons 3 roupies. Seulement, ils ont vendu ça pour 64 roupies. Nous gagnons 5% la valeur de nos poissons. Qui sont une pointe dans nous de l'eau. Moi, je peux cause de l'eau en dehors, nous. IIZ, nous poissons. Ça, 20% qui, ministre, il dit 80 000 tonnes de poissons qui sont la piste. Alors, explique-nous, ministre, l'eau qui base nous trouve ça, est-ce qu'il est raisonnable pour moi, et moi, parle à 15 personnes, là, est-ce qu'il nous peut, nous pas pour, tant pour nous, faire du monde quoi, pour dire, nous peut faire un peu pareil, beaucoup de pays qui peuvent exploiter pour son ressource. Mais quand on pas capable de dire qu'on a exploité parce qu'on tombe d'accord. On est d'accord avec ça prix. Mais les Européens y allé. Et malgré ça, nous tous nous connaissons pour dire que ton peut venir rare. L'Espagnol, l'Espagne en 2017 et 2018, il overfish. Il n'a pas gagné sa fine qui est supposé gagner. Et là encore, on peut lire le rapport à IOTC. Et là, il n'a pas poisson. Nous les autres viennent dans nous de l'eau. Qui donne zot 40% zot worldwide catch, ils sont dans l'océan Indien. Et nous disons que c'est OK pour prendre 5% de valeur de sa poisson à la vec. Explique-moi, ministre, le qui base ça t'y fait pour moi capable comprendre, pour dire que ça n'est pas appel vrai l'exploitation. Merci, M. le Speaker. Merci, honorable. Ministre. Monsieur le Speaker, mon seuil suivre calculation. On a pas à FIF. Mon papa nécessairement tombe le figure qui ont gagné. Mais si ça va me procéder, sectoral support pas gagné tirer là-dedans. Hein? Ça qui où on se vient figure 1 ou puis 20, là, il gagne tirer. Sectoral support est entré. SFE gagne payer son sectoral support. Une fois qu'il tombe d'accord au budget, ça l'a fait entrer pour exécution. Ben poser qui est fait un travail là, ok? Bon, mon petit m'a pris l'autre la pause peut-être aussi comme un statisticien économiste aussi peut-être comprend que mon petit. Nous payons nous 58,2 millions d'euros pour ça 6 ans, ok? Qui équivalent 9,7 millions d'euros. Par an. OK? Là nous calculons le 50 000 tonnes comme en référence. OK? Nous gagnons comme 194 euros par tonne. Correct? Et si peut-être ou pas get ça l'étude IOTC qui on voit, c'est qui au pouvoir qui nous là nous voit en moyenne
combien ça bonne ton il gagne vendre nos marché mondial nous voir qui est au fin là il pial pour 2000 euros par tonne skipjack qui en grande partie li à peu près 1000 1050 euros 1100 euros par tonne qui si vous pour prendre weighted average met big eye ensemble tout peut-être trois tombes dans 1300 1400 euros à cause skipjack normalement son composition à peu près 60% 60% la quantité 60-65% la quantité poisson qui gagne la pisse. OK, so il pas pour faire sens pour nous prendre ça extrême. Présent, si nous pour faire sa calculation nous pour voir qui nous gagne nous return, moi pas écoute qui nous gagne 5% mais nous gagne nous return à peu près 13%. 13%. Bon, est-ce que 13% y a adéquat? On dit mon 5%, mon pays nous peut gagner 13%. OK, est-ce qu'il y a adéquat pour sa ressource qui nous en a? Mais présent nous c'est regarder coup qui ban l'état study qui nous en a pour montrer what is the return qui les autres pays par nous dit ban pays qui paye la piste par nous ton nous pas comparer avec les autres qui sont qui paton qui les autres peut gagner et nous baser le assessment qui nous fait jusqu'à dernier protocole que nous peut gagner nous 168 euros par tonne en moyenne qui là 194 nous tu déjà peut gagner plus que tous les autres pays nous les autres peut gagner OK plus que tous les autres pays avec l'Union européenne il y en a l'agrément avec autres et nous le nous côté nous là nous fait nous analysis ça 13% mais malheureusement nous n'a pas une étude récente mais basé sur l'étude qui tient en 2014 si mon pas trompé tu peux dire dans sa l'industrie comment ben pays qui dans ça pas une extractive industry il y a 10 à 12% OK et nous utilisons déjà le 13% mais seulement mon quoi contre bien que des temps nous peut get figures nous pas qu'à get sa figure en isolation nous conscient ça une ressource. Il y a une ressource qui bon Dieu donne nous hein définitivement nous devons gagner maximum avec lui mais en même temps nous besoin voir qui a tiré pour venir avec lui qui a tiré qui ban les autres revenus qui nous comme un pays nous peut gagner à part qui salaire qui nous peut gagner avec EU pour la piste dans nous de l'eau mon dit aller revenus qui nous gagne à travers port revenus qui nous gagne à travers CPEC revenus qui nous gagne à travers tout ban les autres secteurs soit direct ou bien indirect qui moment dit c'est qui là non fini faire ça fisheries satellite account ça va donner une plus bonne idée et présent après là peut-être n'a des plus bonne position pour répondre aux questions combien réellement qui nous peut gagner avec ça secteur en nous pas oublier. Si nous n'a pas ça l'agrément avec eux, moi pas qu'on ait les quelque qui pour la paix, mais ce moment on a nous bonne ces choses flag. Mais 6 ans mais nous n'a pas sa poisson. OK? Dis mazine tout ça ban les autres retomber le nous l'économie qui pas pour nécessairement entrer. OK? Ce moment quoi au conscience ça et qui nous besoin faire ici pour dire là nous tient nos négociations, nous faire ici nous au maximum. What is the best honorable monsieur speaker c'est qui tout dépend qui quantité maximum on peut stretch from EU en même temps peut-être honorable nous besoin calculer pour dire l'assistance qui EU li peut-être ça ils sont soit li peut donner ban amateur bateau il ban subsidie qui li peut donner et si jamais ça ban amateur bateau je tu pour venir pour payer the real cost pour zoti ça ton dans nous de l'eau. Et tu n'as pas ça bon support qui EU tu peux donner est-ce que ça business tu pour rentable pour autres là nous faire certaines vérifications nous voir bonne publication aussi qui nous en nous voir en gros les bases mondiales nous faire autres entre 25 à 26% gross profit le ça secteur OK qui ça bon l'usine peut gagner qui ça bon amateur bateau peut gagner so là on calcule tout ça ban risque associé avec nous on a l'agrément zout la pisse et nous connaît pour dire no matter what nous pour gagner sa quantité l'argent moment quoi en fin de compte
Là, nous faisons tout ça dans l'analyse que nous faisons. Mon quoi pour dire, il y a un bon deal que nous gagnons. Merci, Monsieur le Speaker. Merci, ministre. On aura Bafif. Merci, Monsieur le Speaker. Juste des petites questions. Je suis content de demander ministre à cause. Il choisit pour les prix, prix plus bas qui bateau gagne pour son temps. Ça veut dire qu'il choisit 11. Il choisit li, 1 ou 10, 1,10 par kilo. Quand Yellowfin, par exemple, et ça d'après rapport IOTC, ça peut gagner jusqu'à 3 euros. Et là, vu que ça, l'espèce est en voie, bon, pas pour dire disparition, c'est moins menacé. Il y a l'espèce menacée. Et vu qu'il peut gagner beaucoup plus que 1,10 euros par kilo, à cause du ministre, il choisit ça comme son base qui fait qu'il présent, il dit que ça qui nous peut recevoir est 13% valeur sa poisson. Donc, il est beaucoup plus haut, il devrait servir un chiffre qui est beaucoup plus haut. Et ça est basé sur l'étude IOTC. On ne peut pas expliquer un chiffre en dehors. Deuxièmement, je suis content de demander au ministre, le ministre peut dire que si nous ne sommes pas d'accord avec les autres, dis mazinet qui considéré tomber c'est lui perdu. C'est là qu'on peut raconter demande ministre qui la force ministre senti sa délégation qui a négocié il y en a là à côté la table. Est-ce qu'il nous peut là-bas faille comme si nous peut dire ben si autres pas donne un deal. Si autres pas donne un deal ou bien si autres pas assisé c'est négocier avec nous ben nous qui pour perdu parce qu'il nous aussi en compte pour dire 40% zote tuna qui zote peut gagner comme il a 41% ça encore d'après IOTC il sorti dans Western Indian Ocean côte nous et si zote pas gagner ça zote pas assis à table pour négocier avec nous zote pour perdre beaucoup plus que nous alors il donne nous l'avantage pour nous dire que zote ben nous sommes d'accord, un tarif qui est plus bon. Et là, on peut dire plus bon. Nous avons cause, si nous pouvons mettre encore 50 sous euros, de ça qui nous peut demander aux autres. Il fait une grande différence pour ces celles. Une grande différence. Et c'est là que moi, nous devrions être beaucoup plus fort. Moi, je suis content, ministre, explique-moi, à cause de ce qui est plus bas, qui nous la force, les noirs, assis à table. Merci, monsieur le Speaker. Merci, honorable ministre. Monsieur le Speaker, qui nous la force? Je crois pour la première fois, d'après ce que je comprends avec les officiers de la paix, première fois, une négociation avec EU, il est dirigé par un ministre. De passer ou non, non, soit chairman SFE ou bien les autres officiers qui sont allés pour la négociation, et pour la première fois, un ministre qui est allé. Et c'est ça qui, les mois là, moi, c'est une conviction à cause de mon participe dans ce whole process pour voir qu'il y a quelque chose qui était. Honorable, nous allons négocier, nous pas négocier faille nous. Mon capable font avec vous pour dire que ce qui est dans situation que nous dit sorry, we will never accept ça coupé au fer. Les pour des réductions 10% de la quantité contribution paiement qui pour faire. Nous disons never, we will never accept it. OK? Mais nous conscients pour dire ça est autre point de départ et nous là nous insister comme quoi nous final 2,8 millions par an, le sectoral support, ça c'est nous final, malgré qu'ils ont encore le 2,6. Ok, ça c'est quand nous sommes en plus coupés ou de nous rôder nous, et nous gagnons, c'est quand nous sommes en plus coupés causés. Nous rôder, quand nous sommes capables de gagner, nous rôder, l'environnement, pas qu'ils en mettent un an là-dedans. Nous rôder, nous amener, ça y est, nous vachons qui c'est celle, nous amener, pas qu'ils en mettent un an pour nous capables de gagner ça. On aura beaucoup de demandements à cause de mon peut-être. Peut-être loin base délibéré, peut-être pas ou pédier, pour moi, pour ça qui plie bas. Mais vous avez une composition la paix, honorable. Composition, on a Skipjack qui 65%. Yellowfin, 30%. Big Guy, mon quoi, 5%. Si je ne pas capable, ou les mots faire calculation, je fais calculation de ça qui plie haut. Mais pas fait sens. Moi, je fais. Non, mon pas. Si nous tipez la paix, si nous tipez la paix, d'ici Yellowfin, moi tu prends mon prix, là il y a Yellowfin. Mais pas fait sens, mais exactement nous avons mon point average, nous point average. Average mon dieu 65% skipjack
li 1020 euros hein pour Cécile. Mon en a bon prix là, non en Bangkok combien, non en Abidjan combien, non en Cécile combien à son prix. Nous prenons prix Skipjack, il 65%, Yellowfin 30%, Big Eye 5% et pour les formations Yellowfin il 2000 euros, 2083 euros. Ouais, en effet pour Cécile 2100 euros, average 2083 euros, il pas 3000 euros. Check bien au figure. Présent, là nous calculons ça en moyenne, nous prenons un average 300 à 1400 euros qui présent là au moment où nous fait sa calculation loli. Et on honnêtement pour Dieu nous avons fait 5% zan mais nous tu peux accepter. Zan mais nous tu peux accepter 5%. Merci monsieur speaker. Merci ministre honorable Audrey Vidot. Merci monsieur speaker. Bonjour, Monsieur le Speaker, ministre de délégation, tout le monde nous a bien dit qu'on a l'écoute. Ministre, si on écoute ou bien, la réponse qu'on donne avec honorable Afif, c'est que l'équipe Cécile, il en a avec ce qu'on est. L'État a négocié ces affaires-là. Bon, mon question pour vous, ministre, est-ce que Montado dit que nous pour bénéficier à travers peut-être 4 scholarships par année pour nous banzen à travers la cour et ça y pour nous y a bon quelque chose mon envie connaît si les temps peut dire peut tous nous banzen est-ce que ça y pour 10 de bénéfice nous ban étudiant peut-être qui finit autres l'étude ils existent pour autres ou bien ils externe aussi peut-être pour ban qui déjà peut-être dans de travail, il gagne ça l'opportunité pour élever un petit peu son niveau académique pour plus bien élever son position de travail côté était peut-être soit de l'autorité la paix. Est-ce que ça aussi pour il peut extend pour autres? Merci. Merci honorable ministre. Monsieur le speaker, il pour n'a pas restriction nécessairement lesquels qui pour capable bénéficier. Mais il y a un travail qui nous peut faire avec le ministère de l'Éducation, avec le département de ressources humaines, hein, pour nous capables de set bien bon critère pour les banques qui sont capables de bénéficier. Et pas nécessairement faire des dimensions à l'école maritime, strictement, mais nous avons envie qu'ils nous maximisent les bénéfices qu'ils nous ont gagnés à travers ces 4 labours qui nous ont gagnés. So, pour répondre à une question honorable, sa scholarship, sa 4 scholarship, évidemment, pour bénéficier n'importe qui, c'est ces lois qui ont l'intention. Évidemment, avec bon critère qui va établi, qui nous respecte très bientôt pour nous capables de advertise pour nous capables de venir apply pour sa scholarship. Merci, M. Speaker. Merci, ministre. Bon, nous allons arrêter là et nous allons continuer nos questions pour le ministre. Nous avons encore 8 membres de la liste, 10 heures après-midi. Mon vice annonce que l'Assemblée Business Committee pour prendre place dans le Speaker's Conference Room. Et après-midi. Nous avons un break et nous retournons des heures.